Yo les gars, c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de ma carrière joueur avec Venise. C'est passé beaucoup de temps pour moi lors du dernier épisode, enfin je l'ai tourné il y a longtemps, alors que pour vous, bon, ça n'a rien changé. Mais bon, ça m'avait un petit peu saoulé avec les défaites qu'on a fait, on va se revoir ça d'ailleurs en détail pour ceux qui ne se souviennent plus, notamment cette défaite lourde en conséquences face à Cagliari. Et ensuite, on prend très très cher face à la Spal. Et pour nous finir bien comme il faut, la défaite 4-3 face au Genoa alors qu'on menait 3-2. Donc vraiment, c'était lourd en rebondissement, mais que négatif. C'est ça qui est dommage. Mais bon, faut passer au-dessus de ça. C'est pas fini. Le championnat, il reste beaucoup de matchs. Enfin, beaucoup, c'est un grand mot, mais il en reste pas mal. Notamment pour cette vidéo, le match face à Com à l'extérieur pour commencer. Ensuite, une nouvelle fois à l'extérieur en mars face à Ascoli. Ensuite, on recevra Regina et on se déplacera à Modène. Donc, ce n'est pas les meilleures équipes du championnat. Mais en tout cas, il nous faut ces victoires. Au niveau des meilleurs buteurs, les gars, je suis toujours premier avec 25 buts en 28 matchs. Donc c'est très très bien. On est proche du record qui est de 35. Plus que 10 longueurs. Et au niveau du classement, le voici. Cagliari qui s'est envolé lors de la dernière vidéo avec 61 points. Vraiment c'est énorme. Ensuite on a Bari second avec 54 points qu'on va devoir aller chercher. En plus ils ont un match de retard. Ça va être compliqué. Ensuite troisième, c'est nous. Avec 52 points et le reste, ben, c'est pas très loin de nous, c'est à 2-3 points maximum. Donc il va falloir se la donner pour maintenir notre place et encore plus pour ben, du coup détrôner le deuxième, voire le premier. On verra ça. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez toujours autant la carrière. N'hésitez pas aussi à me dire, hein, en commentaire ce que vous préférerez, pardon, que je vous montre, que je vous montre pas. S'il y a des choses qui vont pas, on est là pour améliorer tout ça, pour que je puisse vous proposer le meilleur contenu possible, même si c'est pas toujours facile. On va y aller du coup face à Com qui est combien en classement? On va voir ça. Bon, ça doit être dans les dernières places avec 30 points. 15e, ok. Ok, c'est bas de tableau. Mais bon, on a vu que ça nous faisait mal à hein, toutes les équipes à nous. Donc on va voir un petit peu ça. Redan en attaque avec moi. Bouzio est toujours là. Joronen Okash. Les grands éléments de cette équipe. Même si en ce moment, j'ai plus l'impression d'être tout seul. On va essayer de changer ça, les gars. On est parti. Face à Com. À l'extérieur. On va tout donner. Ok, le petit échauffement, pardon. Envisage de raccrocher déjà. Matoja Jallo. Ok. On va voir ça. Allez, tac, on est parti pour ce premier match. Ok, pourquoi pas le coup franc lointain. On va essayer de la mettre dans la bonne zone. Ici, ça me paraît pas mal du tout. Elle est magnifique. Oh là là, dommage. Attention à cette dernière action. On sait que ça nous fait toujours mal. Ces derniers ballons, heureusement, on s'en sort bien. Allez, putain. 0-0, les gars. Franchement, je ne sais même pas si on a fait un seul tir. Peut-être un. Hein. En tout cas, qu'est-ce que c'est dégueulasse comme match pour nous. C'est juste de la possession pour eux, hein, comme d'habitude. On a l'habitude de se faire bouger. Ben, on continue sur ce beau spectacle. Hein, 55% de possession pour eux. Un seul tir pour nous. Chance de but 0,0. Mais franchement, ça m'étonnerait que ce soit comme ça qu'on va ne serait-ce que gagner ce match. Vaut mieux se réveiller là. La feinte. On décale côté. Encore, je le décale. La belle frappe par Axe. Dommage. Pourquoi pas? J'y vais. Allez, j'ai pris de la vitesse. C'est bien, c'est ce qu'on veut. La feinte. Je reviens en arrière. C'est la spéciale pour les centres. C'est là. La frappe ensuite. Et c'est dedans. Enfin, les gars. C'est pas au vu de notre prestation. Parce que franchement, c'est dégueulasse. Nos Bouzio qui nous libère encore une fois. C'est le seul, je pense, qui mérite d'être dans cette équipe. On n'est pas beaucoup. Mais alors lui,
Il s'arrache. C'est vrai que des fois, il était absent, surtout lors des derniers matchs. Mais là-dessus, il y était. C'est parfait. Faut pas se le prendre malin, les gars, parce que c'est vrai qu'on n'est pas rassurant derrière. On s'appuie derrière. Ok, je suis passé entre les deux. La frappe et le but, les gars. Il fallait bien que j'en mette un. Même si on a peu d'action, même si on fait peu de tir, j'arrive toujours à en mettre un petit. Heureusement, ça fait du bien, que ce soit sur le personnel ou le collectif, de mettre deux buts. Pour l'instant, sans en encaisser. Je pense que c'est un record depuis de nombreux matchs. Après, c'est pas fini, on nous connaît. En tout cas, là, je suis bien passé entre les deux. Et la frappe enchaînée, j'ai pas cherché à faire que enrouler ou en finesse, j'ai tiré normal, c'est passé. 2-0 les gars, il reste 6 minutes, ça devrait le faire je pense. Allez, c'est bien fait, c'est bien fait. La petite semelle et la feinte qui est passée, une fois, deux fois, trois fois, la frappe et c'est dedans. Le doublé, le mini festival. Avec le peu de gestes techniques que je peux faire, c'est-à-dire une semelle et des feintes de corps. C'est bien fait, on va se la revoir. Oh putain, on voit que la fin. En tout cas, j'ai bien attendu la fin pour tirer. Et ensuite, la frappe, une fois que le gardien est masqué. Pourtant, il la touche quand même. Mais ça rentre avec un peu de chance, les gars. Le doublé. 3-0. Et c'est fini, on finit là-dessus. On ne peut pas mieux finir. Et on ne peut pas mieux commencer cette vidéo avec 3 buts, 0 encaissé. Même si franchement niveau jeu c'est très pauvre en émotion et en fluidité. En tout cas on s'en sort, c'est le plus important pour le moment. Hein. Franchement ça me va si on fait ça. Tant qu'on gagne. En tout cas 6 tirs à 6, mais vous voyez qu'ils ont eu la possession et pourtant. Pourtant ils sont 15e, c'est ça qui est fou. Cagliari qui a perdu 1 à 0. Putain incroyable, on va aller voir ça. Je suis homme du match. Assez logiquement. On va voir au niveau du classement où on en est. Défaite, il me semble également pour Bari. Parce qu'on n'est que à 3.2. Et ils avaient un match de retard, il me semble. On va voir ça. C'était fin février, du coup. Où on en est. Toc. Voilà, ça va être ici. Alors. Où sont Bari? Bari, Bari. Ok, ah non, ils ont fait match nul face à Brescia. Et où sont Cagliari? Voilà, ils ont perdu 1-0 face à Frosinone. Ok. Mais du coup, on s'en sort pas si mal pour ce premier match. On recolle à nos adversaires à 3 points de Bari et à 5, non, voire 6 même. Ouais, 6 points, pardon, de Cagliari. Tandis que le Genoa qui ont gagné sont seulement à 3 points de nous. Donc, ça se joue. Que ce soit en haut ou en bas, on a 27 buts en 27 matchs, les gars, c'est pas mal. On tourne presque à un but par match. Donc franchement, c'est énorme. Niveau mail, on n'a rien eu d'autre. Hein. Ouais, ok, c'était pour être sûr. On va voir niveau info si on a du nouveau. Et ensuite, on va continuer tranquillement. Jeffrey, auteur d'un doublé. Venez plus fort. La victoire au rendez-vous. Ok, on n'a rien de fou. Ça, est-ce qu'on avait vu? Je crois que ça date un peu, ça, non? Élu joueur du mois de janvier. Je sais pas du tout. Je crois que ça date. C'est impossible qu'on. Ouais, on est en mars. Donc, ouais, non. Le prix de février, il n'a pas dû être encore décerné. Ou alors, pas pour nous. On ne devait pas être convié vu les défaites qu'on a fait. Je voulais voir un dernier truc. Ouais, les gars, je vais modifier quelques points de compétence parce que franchement. Au niveau de la vitesse, c'est vraiment horrible, c'est injouable. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je vais vraiment privilégier vitesse et accélération. Voilà, je pense que je vais mettre cet archétype. Je sais pas ce que je vais supprimer. Ouais, genre la tête, j'en mets jamais de toute façon. Donc on enlève également penalty. Au niveau des passes, on n'a rien. Et au niveau d'agilité, normalement, je devrais être lenti à 69. Il faut une différence de 14. Et on a combien en force? 90, ben voilà, normalement on est lenti, mais je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas énormément de vitesse, on va voir ça. Le truc c'est que ça j'en ai besoin, les contrôles du ballon. Qu'est-ce que je peux enlever qui est pas folichon? Bah écoutez, je pense qu'on va s'enlever
Ça et ça, malheureusement, mais au moins on a l'archétype guépard et ça c'est fait. 82 en accélération et 90 en vitesse, franchement c'est pas énorme, hein. Mais ce sera mieux que comment on était là. On va également d'ailleurs s'entraîner et ensuite on va partir pour le second match. Voilà, l'entraînement c'est fait. On simule jusqu'au match. Voilà. Encore une fois à l'extérieur, du coup, comme on l'avait dit, face à Ascoli, il doit être à peu près 15e et aussi, je pense. Ouais, voilà, 16e. Ils ont à peu près le même nombre de points que nos prédécesseurs. Voilà, on va partir là-dessus. Est-ce qu'ils ont déjà joué les autres? Non, on joue tous en même temps. Ok, bon, on est parti. Face à Ascoli. Allez. Meilleur buteur, du coup. Bon, c'est pas trop moi, là. Je sais pas pourquoi il montre à lui, mais. En tout cas, nous on est parti. Pareil les gars, faut qu'on continue. Pas qu'on retombe dans nos travers après cette dernière victoire. On est parti pour ce match. Attention cette frappe! Heureusement qu'il arrête bien le gardien. Attention, c'est passé. Il est tout seul dans l'axe, et logiquement. On encaisse ce but. On retombe dans ces fameux travers. Qu'est-ce qu'on est nul les gars, mais qu'est-ce qu'on est nul, c'est. C'est inquiétant à ce point. Je me demande ce qu'on fait en série B, vraiment. Défensivement éclaté, offensivement éclaté, milieu terrain pourri. Et le gardien qui suit tout le reste, franchement, c'est. Oh, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, j'ai pas un seul ballon. Fin de cette première mi-temps, 1-0 pour Ascoli. C'est totalement, mais alors totalement mérité. Bien joué à eux. Contre une pauvre équipe qu'on est de Venise, franchement n'importe quoi, on prend l'eau, c'est le cas de le dire, hein. Par rapport à la ville, Genoa qui gagne, Cagliari qui fait match nul, et nous, on est lamentable ici, au terrain d'Ascoli, franchement, c'est n'importe quoi, on n'a pas une action, c'est impossible de gagner des matchs comme ça. Non, encore un ballon en profondeur, comme ils en ont l'habitude. Le gardien qui la sort à deux reprises, heureusement. Ok, la récupération. Non, s'il me la met. Putain, il la sort le gardien. Non, mais s'il me la met, moi j'étais seul, j'avais le but libre. Allez, pourquoi pas. Je vais la tenter de loin. Oh là là. J'y suis, en retrait. Je la décale. Bien joué. La belle frappe. Et elle est sortie encore une fois. Ok. Ça décale bien. Ça décale super bien même. Faut finir. Et quel arrêt encore. Bien joué. Bien joué. Je suis passé. Je sais pas comment. Mais je suis passé. Oui. La finition. Alors qu'il voulait me remplacer. Je lui prouve encore une fois que c'est moi, l'homme de la situation. Et là, franchement, je l'ai fait pour lui, hein, cette célébration, pour le coach. Il faisait que marquer risque d'être remplacé, alors que franchement, j'avais pas un seul ballon. Et le seul que j'ai eu, regardez où il est, au fond des filoches. Franchement, c'est compliqué, hein, les gars, ces matchs. On arrive à égaliser, mais c'est que de la chance. On n'arrive pas à construire. Allez, on rentre dans l'axe. Je la décale côté. C'est bien fait. S'il arrive à me la redécaler, je peux la finir. Non, en plein milieu. Putain. Allez, c'est pas fini peut-être. Oh, il attend Jishin. Quel gogol. Allez, la belle récupération. La belle récupération. On se la décale dans l'axe. Bien joué. Bien joué. L'extérieur du pied. J'aurais dû la décaler vraiment là. Je l'ai mal joué. Putain, je l'avais pas vu au numéro 6, Bougio. Ah, putain, dommage. Franchement, j'aurais pu les finir, mais j'ai eu trois actions, pas plus, dans le match. Une que je mets à côté, une que je mets sur le gardien, et une dans les buts. Donc, malheureusement, j'aurais pas pu regarder hein, les notes des autres joueurs. Mis à part. Ah non, mais ça, c'est eux. Non, c'est nous. Djadjalo. Une passe D, 8-2 de notes, ok putain. On fait pas les mêmes matchs apparemment. Et pour une fois on a dominé niveau tir mais pas niveau possession. Et du coup, logique, on fait match nul.
Genoa qui a gagné, donc il nous passe devant dans pas longtemps. Cagliari qui a fait nul, ça c'est exceptionnel, qui gagne pas deux fois d'affilée. Mais ouais, ça c'est sûr, on rate une belle occasion, j'aurais pas dit mieux comme titre. Regardez ça, Cagliari 62, Bari 59. Donc ils ont perdu, non, Bari? Non, match nul normalement. Si je calcule un minimum bien, donc Cagliari on a dit nul. Et ouais, Bari match nul. On serait revenu à un point de Bari, ça aurait été magnifique. Putain, ça fait chier alors que le Genoa revient à un seul point de nous. Franchement, c'est chaud, les gars, cette série B. Il n'y a rien à dire là-dessus, on peut pas lui enlever. On va s'entraîner pour continuer à grappiller des points de compétence qu'on a vraiment besoin. D'ailleurs, en parlant de points de compétence, on va aller s'en mettre. Voilà. On va aller dans tout ce qui est agilité. Mais enfin, on va surtout mettre conduite de balle, contrôle du ballon. Ouais, voilà. Genre dribble déjà. Très important. Je pense qu'on va s'en mettre un deuxième comme ça. Et on va finir en se mettant un contrôle du ballon. Voilà. On est pas mal. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'il est mou, les gars, sur le terrain, le joueur. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. On va simuler jusqu'au troisième match de cette vidéo qui se fera face à Regina. Allez, on est parti du coup pour ce match face au Regina. Juste avant, les gars, j'ai oublié de vous montrer ça. Regardez ce que j'ai vu durant ma petite pause entre les deux matchs. Alors, ça va être ici, je pense. Voilà. On se demandait si c'était celui-ci, le joueur du mois que j'avais eu. Mais en fait, non, il y en a eu un autre, février. Et c'est encore moi. Donc, comme quoi, je suis décisif même si on perd. Et ça paye. En tout cas, sur le plan personnel. Ce serait bien que ça fasse pareil sur le plan collectif. Du coup, deuxième joueur du mois d'affilée pour moi. Deux petits trophées. Allez, on se reconcentre sur le match face à Regina. On va voir un petit peu ce que ça va donner, les gars. Qu'est-ce qu'on a marqué 4 buts lors des 3 derniers matchs. Ok. Bon, il y a beaucoup de trucs sur moi, peu sur l'équipe. S'inquiète. On est parti, les gars. Il nous faut cette victoire. Attention, ils sont seuls dans cette surface. Non, dans le dos de la défense. C'est pas normal. Non, la frappe lointaine. Oh, je m'y attendais pas. J'en parlais, les frappes lointaines, qu'il fallait faire attention dans cette vidéo. Parce qu'on avait déjà subi les foudres de N'Golo. Et ben, cette fois-ci, c'est, je crois, Jérémy Ménez. Je savais même pas qu'il jouait encore au foot. Et ben, il m'a fait mentir là-dessus avec sa grosse frappe. Putain, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. 1 à 0. C'est fou. C'est fou. On fait rien. Allez, pourquoi pas? Allez, le petit décalage dans l'axe. C'est très bien fait. Il me la remet. La frappe du droit. Quel arrêt de fou. Ok, les gars, fin de cette première mi-temps. Comme d'habitude, c'est les mêmes mots. On se fait dominer. On n'a pas d'action. On tire pas. Donc, comment on peut gagner? C'est ma question du jour, franchement. Moi, j'ai pas la réponse. Est-ce que vous l'avez? Je pense pas non plus. En tout cas, on perd encore une fois pour le moment. Putain, franchement, c'est fou. Cagliari, cette fois-ci, il laisse pas passer leur chance. Il mène 1-0 à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par contre, on a Bari qui perd 1-0 contre Benevento et le Genoa qui fait match nul. Franchement, c'est le match à pas perdre. Détail du match, on va voir un petit peu. Ouais, voilà, 3 tirs, mais bon. Enfin, c'est pas beaucoup, quoi. Pas mal fait. Allez, par-dessus. Pourquoi pas? La tête! Oh, la barre transversale, il était beau. Putain, c'est dommage. Hein. Et attention. Attention maintenant. Avec cette frappe, ce serait qu'on l'encaissait. Quel arrêt du gardien. Attention. Faut pas se laisser avoir. Pas mal. Pas mal du tout, même. Il move tout l'axe. Je lui décale. Il peut me la remettre. Ou alors frapper. Il décide de frapper. Et il a raison. Enfin, un but de ce numéro 9, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de tirs de sa part. Mais quand il tire, il marque. En plus, c'est ça le pire. Là, il était super, son appel.
Bien joué, Redan. C'est bien mis à la limite du hors-jeu. Il s'est pas précipité. Ensuite, la frappe, elle est belle. Il prend ses responsabilités. Un but partout, les gars. Je la décale. Une touche. C'est passé. Finalement, ça me reste dans les pieds. Je vais la tenter. Je vais la tenter. Ah, raté. Encore une fois, il voulait me faire sortir. Et encore une fois, je lui fais fermer sa bouche. À l'entraîneur, voilà. Calme-toi, attends un petit peu. Que je profite. Là, il m'a fait faute. C'était une passe à la base. C'est pour ça qu'elle est partie un peu loin. Enfin, la conduite de balle. Au final, ça me reste dans les pieds. Et là, je fais bien de la joie à terre parce que regardez où elle finit. En dessous des bras du gardien. Et surtout, au fond des filets, les gars. Mon combien de buts, du coup, cette saison, est-ce qu'ils vont dire 29e but, pardon, en 31 matchs. On mène 2-1, putain, ça fait du bien, mais c'est trop chaud. Oh non. On arrive à se dégager. Et heureusement. Et la victoire. 2-1, les gars. On aurait été la chercher. Elle aurait été compliquée. Au final, on s'en sort. Avec la victoire, encore une fois. J'ai dit, hein, si y a la victoire au bout, tant mieux. On jouera comme ça. De toute façon, on a vu que niveau jeu, on n'était pas top. C'était pas du tout notre point fort. Je sais même pas si on a vraiment un point fort. À part le point fort de gagner en ayant 32 possessions. C'est fou. Trophée d'homme du match pour moi. Un but, une passe D du coup, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Au niveau du classement, on revient à un seul point de Barry qui ont donc perdu. Et je sais pas si Cagliari a perdu par contre. Ok, ils ont fait match nul. Ok. Match nul, du coup, ils sont à 63 points. Barry 60 points qui a fait du coup ce match nul 0-0 que j'ai vu à la fin, non? Normalement. Ah non, un partout, ok, contre Benevento. Et du coup, on est à 4 points des premiers et à un seul point des seconds. Il va falloir faire gaffe aussi à Genoa qui nous suivent de près. Le premier qui les dépasse aura gagné, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre peut-être niveau info? On va voir ça. Jeffrey, celle-là défaite, ok. Bis repetita, plus fort que Regina, ok, on a rien de fou. On va s'entraîner et partir pour le dernier match de la vidéo. Du coup, les gars, hop, tout simulé. Voilà, ça c'est fait. On simule, non, le classement, je l'ai vu, c'est bon. On simule et on finit du coup ce match. Enfin, cette vidéo, pardon, face à Modène. Donc, ils ont fait match nul contre Cagliari, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est eux, il me semble. Bon, bref, j'arrive pas à les retrouver. Ah non, c'était pas ok. Si, oui, voilà, ouais, c'était ok. Match nul face à Cagliari, ça a été long à trouver, mais ouais. Du coup, il va falloir faire attention à eux. 38 points, donc je dirais qu'ils sont à peu près 10e. Non, peut-être un peu plus haut. 13e, ok. 13e, donc c'est du milieu de tableau, hein, cette vidéo. Allez, on y va. Faut finir en beauté cette vidéo. Allez, 29 buts pour moi, encore une fois. C'est pas moi qui monte, mais bon, on va faire comme si c'était moi. En tout cas, on finit à l'extérieur. Donc c'est là où on perd du Cagliari, dans cet antre. Pour l'instant, les gars, 2 victoires et 1 nul dans cette vidéo. Ce serait bien d'au moins avoir 3 victoires pour finir en invaincu et surtout en bonne forme. Ok, je peux y aller dans ce couloir. Pourquoi pas. Comme d'habitude, on la met à l'attaquant et voilà, magnifique. Hein. Franchement, quoi dire de plus. On finit super bien. Putain, encore lui, c'est un truc de fou. Et cette fois-ci, passe des du numéro 9, Redan. Mais franchement, ce numéro 6, c'est vrai qu'il nous sauve pas mal de matchs. Voilà, je reviens bien. Là, franchement, c'est le trio des meilleurs joueurs de l'équipe. Bien joué à tous. Et surtout, bien joué à Bujo. Non, c'est pas normal que ça passe comme ça. Et l'égalisation. Oh, c'est pas possible. C'est fou.
On n'y arrive pas à gérer nos matchs. Vraiment, c'est un truc de fou. On encaisse à la 12e minute. Pourquoi pas? Là, j'ai du champ. Là, j'ai du champ. Attends, je m'en fous. Un angle fermé. Putain, je pensais qu'elle allait revenir sur quelqu'un. Ça n'a pas été le cas. Ok. Je peux y aller. Le petit passement de jambe pour m'ouvrir tout l'espace et l'enrouler qui était très, très, très bien faite. J'y suis en retrait. La frappe puissante et l'arrêt, encore une fois. Pourquoi pas? Au centre, j'y suis de la tête. Et elle passe pas loin. Attention, on laisse tout faire là et on encaisse. Non? Oh putain, je crois qu'on avait encaissé. Ou alors il a sifflé juste avant. Non, je pense qu'elle est passée au-dessus. Je sais pas si on va pouvoir la revoir. Mais putain, je la voyais dedans. Elle a fait en tout cas l'effet de revenir. Comme si elle rentrait, on va voir dans le ralenti. C'est ça, c'est là la frappe. Ouais, ça va être ici. Ok, elle passe à côté, j'ai eu peur. Je pensais qu'on les avait douillés là-dessus, mais non. Du coup, les gars, mi-temps, c'est vrai que j'ai plus d'occasions que d'habitude, donc ça fait plaisir. Malheureusement, on gagne pas pour le moment. Un but partout. Mais je sens qu'on peut le faire tous ensemble. Allez, c'est pas mal. Ce ballon pour Bougio et la belle parade du gardien. Pour mieux attendre du soutien. Il y en a ici. Encore. Bien joué. Je la décale. La frappe à bout portant. Putain. Allez, j'y vais. La frappe puissante. Non. Pas laisser tirer. Bien joué. Ce beau ballon. J'y vais. J'y vais. Oh là là, la faute. Il reste 1 minute. J'espère qu'il m'a pas blessé par contre là-dessus. Ce serait bête. Ok, j'ai pas l'impression d'être blessé. Les gars, j'ai envie de la tenter. Franchement, j'ai envie de la tenter. Je dois avoir des stats dégueulasses, mais j'ai envie de la tenter en extérieur. Comme ça. Ouais, je dirais comme ça, on est pas mal. Allez, on y va. 2,5 barres de puissance. Est-ce que c'est assez? J'en sais rien! Putain, vous voyez rien, ils ont changé de caméra. J'y ai cru, je sais pas si vous avez cru. Peut-être pas. Mais il manquait de la puissance et un petit peu d'effet. C'est peut-être pas fini, par contre. Allez. Ok. Il faut bien négocier ce ballon. Ok. Et non, Oh. finalement, ça n'ira pas plus. C'est C'est tout à l'heure terminé. pour cette rencontre. Malheureusement, match nul face à Modène. On a chuté Oui, tout c'est comme compliqué. Cagliari Tu vois deux équipes sur ce où. stade. Mais franchement, on aurait vraiment, mais alors vraiment pu gagner ce match. On aurait bien terminé la vidéo. J'ai peur pour le classement du coup maintenant après ce match nul. On va voir. Cagliari qui a gagné 3-0, donc là ils vont se réenvoler où ils étaient. Avoir Bari et du coup les autres. Putain, Genoa qui passe devant. Aïe 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 aïe. Ils nous passent devant, ils ont gagné Genoa. Et par contre, on a Bari qui est quatrième, donc j'imagine qu'ils ont perdu, c'est ça, ils ont perdu 2-0 contre Pise. Putain, ça fait chier de passer troisième. Alors, enfin, de rester troisième, du coup, non, on bouge pas techniquement. Alors qu'on aurait pu prendre cette deuxième place en fin de vidéo, on se serait vraiment, vraiment bien relancé. Malheureusement, c'est pas le cas, les gars. C'est pas grave, on verra ça une prochaine fois dans l'épisode 10. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager, à commenter et tout le tralala, vous connaissez. Surtout vous abonner, les gars, on approche des 1000 abonnés, ça fait super plaisir. Merci à tous, les gars, et moi je vous dis à la prochaine.